Hey, salut! Comment allez-vous? Moi, ça va. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un live Dead by Daylight. On va jouer à Dead by Daylight, ce gros débile. Et du coup, voilà, on va jouer à Dead by Daylight. Alors, je suis désolé, je vais forcer à fond sur ma voix parce qu'en fait, hier, on m'a fait la remarque que en fait, ma voix n'avait pas du tout évolué en 4 mois, 5 mois. Et en fait, je m'entraîne depuis 4 mois, 5 mois. Pour que ma voix change, évidemment. Vous savez, tout ça. Et du coup, comment vous dire? J'ai fait au début, bah non, ma voix, elle a changé et tout. Attends, quand même, je l'entends ma voix, MDR. Et en fait, on m'a dit, non. Je suis allé voir un extrait audio de live il y a 4 mois. C'était un live Sims 3, il me semble. Et j'ai regardé à l'extrait de live d'un récemment où je jouais Sable. Et je fais, il n'y a aucune différence dans la voix. Je fais, eh, merde. Alors du coup maintenant je vais un peu plus forcer, il y a des moments je vais faire des pauses pour faire un exercice vocal qui est celui-là. Je vous le présente. Vous n'allez pas l'entendre parce que le micro ne capte pas généralement cet exercice vocal. Mais voilà, en gros c'est ça. Deux, trois, quatre. Voilà, et là du coup ma voix elle est devenue plus douce. Donc je vais sûrement faire ça pour recalibrer ma voix parce que j'ai trouvé que ma voix elle est un peu trop grave ou pas du tout. Pas du tout féminine. Ma voix est pas du tout féminine hein, actuellement, bien sûr, évidemment. Je suis au courant, merci. Pourquoi le retour de la cam? Parce qu'en fait, j'ai commencé l'épilation au laser et j'ai commencé les hormones. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de mettre la cam pour voir le suivi, comment ça va se passer. J'ai mis la musique de vous aussi. Et là, du coup, je vais essayer de parler plus comme ça, en fait. Je vais essayer de parler avec plus une voix. Là, je suis bien. Là, je trouve que là, je suis pas trop mal comme ça. Ouais. Bref. Et tout ça pour dire qu'en fait il y a un événement sur Dead by Daylight, il y a un événement en fait avec des points de sang. Et ça c'est bien les points de sang, moi j'adore ça vous savez, j'arrête pas de m'en plaindre qu'il n'y en a pas assez quand je suis survivant. Bah là on va jouer survivant mais il y a un événement de points de sang du coup on va voir comment on va se faire. Alors hier je vous avoue que j'ai joué en tant que tueur, j'ai pas trop vu de différence. Et je sais que ça râle déjà parce qu'en fait hier j'ai fait une game, il y avait une offrande liée à l'event et elle s'est fait quicked, elle s'est fait voilà. Genre ils l'ont littéralement enlevé, ils ont mis un message sur Twitter pour s'excuser pour ça parce qu'en fait il y avait un bug dessus. Et en fait, merde, comment dire ça? Et en fait du coup les gens sont plaints de ça, et en plus les gens sont plaints parce qu'il n'y a pas les jumeaux. Et pour les gens, je suis d'accord qu'ils ne devraient pas commencer un nouvel event s'il n'y a pas tous les tueurs. Alors, par contre, j'essaie de parler comme ça, mais de manière un peu naturelle, pas être insupportable. Un peu figure, ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai enlevé aussi la cam. Par contre, ouais, j'avais une page Windows qui était ouverte. Attendez. Ma cam avant que les bêtes arrivent. On devait être en 3 ans à arriver. Il n'y avait pas de cadre. Ah ouais? En vrai, vous savez, mon décor, dans le fond, ça fait longtemps que j'en parle, enfin, je refasse. En fait, il est pas du tout coordonné. En fait, le problème, c'est que mon mur, il va de travers aussi, et du coup, on voit tout ce qu'il y a derrière. Enfin, le meuble en bois, là, c'est un range bordel, vous n'êtes pas censé voir ce qu'il y a dessus, il y a des dossiers médicaux et tout. Il y a des comics au-dessus, enfin. Non, vous n'êtes pas censé le voir, en fait. Spoiler! Pareil, vous n'êtes pas censé voir ce qu'il y a en dessous, là, c'est du bordel aussi, hein. Me dire, Rossin, tu pourrais resserrer la cam. C'est vrai que je pourrais resserrer la cam. Tu vas voir, elle est pas déjà resserrée? À droite, par contre, j'ai coupé. Ah ouais. Bizarre. J'ai coupé à 10, à droite, à gauche. Comment ça va? En vrai, c'est un peu mieux, je trouve. On va couper à. On va faire un peu large, on va couper à 20 de côté. Je mets 200, on va aussi prendre les deux. En vrai, 20, c'est mieux. Hein. Moi, je préfère, c'est plus intimiste. Deux secondes, je vais mettre une canne. Alors, documents,
Dossier rempli, dossier. Non, c'est pas ça. Ah non. 1, 2, 3, 4. Là, c'est bon. Là, je parle un peu mieux, je trouve. Dossier rempli de dossier. Si, c'est là-dedans. C'est dossier rempli de dossier. Miniature VOD raccourci Indiegogo OneDrive. Osphone Prod. Banque vidéo. Non. Non, c'est dans Twitch, je crois. Putain. En vrai, j'ai plein de cadres. Il y a lui qui est trop trop laid. Il y a une version de lui d'ailleurs un peu mieux. C'est faux. Elle est dégueulasse. Et des couleurs Vaporwave. Il y a lui que j'ai fait pour Gamaradour, je crois. Ouais, en vrai, mes cadres, j'ai jamais mis trop d'efforts dedans. Ouais, j'aurais dû. Je crois que c'était lui le 4 pompier. Paramètres. Paramètres. Je trouve plus le truc pour Ah, ok, c'est bon. Ah, il y a des petits rayons sur les côtés. Ah, c'est bien. En vrai, ça c'est parfait. Ok. Nickel, ça. Petit cadre comme ça, là. Je sais pas s'il est trop invasif ou pas, je sais pas, moi je trouve que ça va. Oui, les cheveux qui poussent ça, c'est trop laid. Regardez, c'est chigale. Les gens m'ont dit, vos endroits, toutes les coupes. Comment vous dire, j'ai très très envie. Putain, j'ai une minoxidile, c'est très 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 grave ça. Deux secondes, je mets mon retour son. Un, deux, trois, quatre. 1, 2, 3, 4, je mets mon retour son. Ouais, voilà, là je mets mon retour son. Oh non, putain, j'en fous. Hop. Je l'ai vu en fait le fond, donc je sais pas si spoil, mais. Donc, je vais spoil, mais. Parce que j'ai un peu joué hier, mais en vrai, j'avais déjà vu dans des leaks, tout ça. Tombé dessus au pif. Mais j'ai vu que c'était fake au début. Lui, c'était tellement pas DBD, mais c'est forcément fake. Par contre, 12 jours l'event, c'est vraiment de la merde. Je dis, hein, les events devraient durer au moins 3 semaines. Mikaela ressemble à Scarlet Witch, je vais les gens dire ça, est-ce que c'est vrai? Non, en vrai, il y a peu de désert, c'est vrai. Par contre, la marchande de crâne, elle mange bien niveau skin en vrai, non? Juste qu'il est pas là ce skin, hein. Oh, le docteur. Oula, j'ai du mal. Hein. Ouais, le docteur, il est...
Il est trop, vraiment trop beau son stream, par contre. J'allais dire, j'aurais aimé que ce soit lui le skin débloquable, mais en réalité, le skin débloquable, enfin, docteur, on a déjà eu un événement Halloween. Ouais, un free gift. Ah ouais. Fais voir. Ok. Mais le problème, c'est que j'ai déjà le plus beau casque du chevalier. Par contre, le reste, c'est que c'est un peu cool. C'est, ça change les trucs de merde que Tébut nous offre, quoi. Mais que des... Mais je vous jure, j'en ai pas revu depuis, hein. Hier j'en avais zéro, avant-hier j'en avais zéro. Le hasard. Vous voyez mon style. Merde, faut que je mette Botanica, je suis con. Il y a un défi tueur, c'est genre taper un survivant pour lui piquer son droplet. Je dis, attends, au secours, c'est quoi l'équivalent pour piquer le droplet à un tueur? J'espère que c'est pas l'étourdir avec une palette. Du coup, c'est con. Ce défi-là, on l'aura vraiment jamais. Ce défi, on l'aura vraiment littéralement juste jamais en fait. Parce qu'il faut que le tueur ait une droplette et qu'en plus de ça, on l'a ça avec une palette. Autant vous dire, vu qu'on assomme les tueurs et les, enfin, les tueurs à un rythme de une fois toutes les 100 games. Bon, bien sûr, j'exagère. En vrai, j'exagère, mais on a vraiment un rythme de merde. Ok. Par contre, première game que j'ai faite, personne jouait l'event. Hein. C'est un truc de fou. Il y avait que moi qui mettais des droplettes. Donc, j'ai pas mis les graphismes pour pas les faire. Juste, tu vois, ça prend mille fois mon temps. Par contre, ça fait une zone, j'ai pas compris ce que faisait la zone en fait. Parce qu'en plus, souvent, allez, je me suis dit au début, c'est sur des points de sang, bah non. Parce que à chaque fois, elle est loin des. Elle est loin des générateurs et des trucs de loop et tout. Je pense pas. Ah merde. Ah perdu. Les développeurs, l'équivalent de qu'un tueur tape un survivant, c'est que le survivant fasse tomber une pète sur le tueur, c'est très grave.
Ah bah, pas qu'on perd un event quand même. Par contre, c'est vrai que ce que les merchants, c'est devenu rare. C'est tout, c'est un peu. J'en ai un peu on sait. Non, tu vois. Mais il y avait. Non, c'est pas possible, c'est pas possible que vous me touchez. Putain, mais meuf, tu viens de me dire de m'accrocher, pourquoi tu reviens vers moi? Ma pote, littéralement. T'es pas du tout insupportable, toi, comme fille. Il n'y a pas la cave ici apparemment. Tu m'en es pas là. Ouais. Oh, je me fais tuner l'aide donc j'ai pas envie de me faire niquer. Je sais pas où aller en fait. Je suis littéralement derrière un obstacle, je me dis nique ta mère quoi. Ce serait ma pote. J'ai hâte de voir tous les points de temps qu'on va se faire. Je sens que je vais être déçu. Je sens que je vais trop être déçu. Ils ont trop teasé en fait l'event pour l'instant. Pas trop teasé. Ils ont trop dit des dingueries en fait. J'ai vraiment drôné la zone mais c'est... Bien sûr. Ok, c'est bon. Ok, l'autre. Alors, je tiens à dire, j'appuie en sprintant. Si mon personnage s'est mis à passer l'obstacle au ralenti, c'est pas de mon fait. Hein. C'est le jeu. J'avais encore mon doigt sur Shift, hein, je précise. Par contre, elle a un super repère, genre, c'est quoi? Un truc en vrai qui est réel, c'est le fait que. Le fait que genre on puisse jouer en fait tous les survivants qu'on veut même quand quelqu'un l'a déjà pris, ça aide beaucoup au jeu. Je sais que Chainsaw Massacre c'est un peu fait un chat comme ça au début. Après Chainsaw Massacre avait plein de personnages au début. Pour moi, c'est sûr. Même si y avait deux autres mecs avant, genre, ça va être pour moi. C'est obligatoire. Je sais pas, elle a un tour contre moi.
Ah ouais, plus. Ouais. Lui, on rappelle, il prank. Vite, plus vite. Ok. Non mais t'inquiète pas, aveu-moi, hein, elle s'en fout de toi. Hein. Voilà, même pas de courir après. Alors qu'elle court après l'autre. Non, c'est vraiment juste aveu-moi. Le reste s'en fout. Le reste n'a pas d'importance pour elle. Je ne sais pas ce qu'elle avait contre moi, mais je me suis vraiment senti... vraiment senti visé. Je sais pas pourquoi, bizarrement. Merde, putain, pourquoi ça... Je suis en train de m'énerver sur le tapis de gâteau, c'est très très grave. Donc, j'espère que ce retour de la cam vous plaît. Par contre, question très étrange. Alors, hier je suis allé à Paris. D'ailleurs, faut que je raconte. Hier je suis allé à Paris. Et j'ai juste marché. J'ai rien fait d'autre. Hein. Je suis rentré après et tout. J'ai des courbatures au bras atroces. Et vraiment des grosses courbatures au bras. Attends, je pose une... Maintenant, je vais faire mes Discord. Je pose une question sur Discord. Si t'as dit aux hormones, c'est trop. Oh, c'est grosse courbature, en vrai. It went over and under the effect of any blood zone. Je sais pas à quoi servent des blood zones pour le coup. Parce qu'ils sont jamais sur des loops ou des. Des générateurs dont je ne vois pas à quoi ils servent. Alors, c'est un défi qui peut être très long comme très court. J'ai même pas attention si le lobby avait une musique spéciale, c'est triste en vrai. Par contre, je m'entends pas, mon micro il allumé. Ouais, il allumé. C'est dommage que vous auriez loupé mes sens de cringe de moi qui m'entraîne ma voix. Hein. D'ailleurs, on en fait une petite. Attendez. Il y en a d'autres, c'est la moins cringe que je fais là, sachez-le. Ah 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 ah. Là, je parle comme ça, voilà. Essayez chez vous si vous voulez, ça marche vraiment. Claudette. Claudette, ça se voit qu'en vrai, c'est un perso qui date parce qu'elle a vraiment pas d'émotion sur son visage. Elle est vraiment pas expressive, quoi. Alors que les survivantes plus récentes, survivants et survivantes plus récentes ont vraiment des émotions. Genre, même à la nomade qui bouge pas beaucoup pourtant, genre, il est très expressif, quoi. J'aime beaucoup comment elle tourne le dos aux autres. Il y aurait eu encore nous fermerons éternellement là, je me serais fait tellement plaisir.
sais même pas c'est quoi mon affront d'ailleurs. En fait, j'ai pas vu les points de sang qu'on s'est fait, mais en vrai, ce serait peut-être l'occasion de mettre des banderoles de fête sanglante, effectivement. Ah, par contre, cet event-là, ça va pas comme l'événement Light Tooth, hein. Je compte vraiment le rentabiliser, je compte faire beaucoup de live. Je veux dire beaucoup de live. Je voudrais au moins faire entre 3 et 5. C'est con, j'aurais pu faire un ciel rouge. Avec une lumière rouge sur les maps. Est-ce que la lune elle est rouge? Puis il y a même pas de lune. Docteur. Docteur Mabou. Ok, il y a une chance toi qui viens vers moi. Ok, ça m'est pas venu vers moi. Les droplets. Ah, par contre, tu as le droit d'avoir un droplet sur son crochet, quoi. T'as la chance, bravo. Ouais, mais c'est une droplet, ça. Ouais. On dirait pas, mais j'ai rentré dans le bâtiment. Là-bas? Oh ouais. Ah mais non, elle est déjà mise du coup. Ah mais non. Ah, c'est quand même les trucs cultivent les droplettes. C'est quoi ça, mine? J'ai parlé à une débutante genre DBD et elle m'a dit que pour elle leur pique était forte quoi. Puis c'est marrant parce que genre c'est vraiment genre red flag débutant, trop pique forte. Donc, tu peux mettre tes droplettes. Le docteur c'est un truc de fou parce que vraiment c'est fort parce que genre tu peux niquer ce genre sur les loops, mais en fait, ils oublient le fait que tu peux les faire tourner en rond 3 ans en fait avant qu'ils te niquent sur les loops. C'est des loops très précis, très spéciales où tu peux niquer comme ça sur les de combien de temps le temps que tu vraiment plus pas sur la tête. Je crois que c'est 2 minutes. Je rajoute avec 3, mais 3 ça me paraîtrait beaucoup. Quand même. Bref, 3 ce serait bien, mais ça me paraîtrait quand même beaucoup. Monsieur, le docteur c'est un des. C'est vraiment un des plus mauvais tueurs. Comme Pig, hein, en vrai, le docteur c'était vraiment. C'est vraiment que les débutants. Sinon, ouais, les autres gens censés savent que le docteur c'est de la merde. Oh, c'est bon, ça fait pas, je suis complètement taré. Qui c'est qui est guidé? Oh putain. Qu'est-ce que je trouve un docteur?
bon qu'il est débile. Alors là, on va aller sauver Kay, du coup. Kay, j'arrive! Kay te botte, du coup. Je veux pas sauver Kay. Non, 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 attends, attends, tu veux pas me prendre sur moi. Ce petit temps d'attente là, bien gênant, quand tu décroches quelqu'un que tu peux pas soigner, il est atroce, en vrai, il devrait pas exister. Avec une pote, tout le monde, elle a même pas ton joueur DVD, du coup, on va rager. Parce que, genre, les bots faisaient trop de la merde. En fait, on les voyait jouer, c'est atroce comment ils jouaient, quoi. Ils ont pété des plombs. Parce qu'on a vu deux bots, du coup, c'était horrible. Bah. Mais. Enfin. La zone là, ah, elle est large. Ah non, ça c'est une zone ça. C'est pas vrai. C'est bizarre cette histoire de truc là. Je sais, je comprends, excusez-moi. Bon, je vais sauver Kay Denson le bot et on va faire ça. Alors, Kate. Incroyable. Je gameplay de qualité allemande. L'event, par exemple, j'ai rien compris. En vrai, je vais lire après les trucs de l'event parce que j'ai vraiment compris. On a fait aucun générateur, c'est une blague. Je ne capte. Attends. C'est vrai qu'on avait un défi merde, fallait faire des générateurs. Trop débile. En vrai, vous pensez que des Desperate Measures ça marche avec Botanic Knowledge? Ce serait fort. Il ira jamais ça à quel point des Desperate Measures c'est pas une mauvaise plaque. Ah non, merde, je me cure le nez, mais ça qui me calme maintenant. Ça vous m'a lâché. La cave elle était où? La cave elle était pas là en dessous?
crois pas. Je crois pas l'avoir vu, mais après, bon, je me connaissais. Ah. Il y avait une sable. Genre, c'est con, s'il y a deux jours, je jouais. À chaque fois que je me téléportais avec Dredge dans la cave, genre elle était là en train de soigner, c'est trop drôle. À chaque fois, je la chopais comme ça. La meuf, elle devait péter des plombs, me dire, mais comment il sait. En fait, la première fois, genre, c'est tombé la nuit, donc j'ai vu en fait, en me téléportant au-dessus, genre, sur un casier, qu'en fait, il y avait. Il y avait Kate, quoi. Enfin, Kate sable, je veux dire. Je veux dire, mais attends une seconde. Mais attends une petite seconde. C'est pas normal, ça. Pas vers moi, c'est bon. T'es une grosse bouffonne! Attends, pourquoi je dois finir générateur, j'aimerais bien finir avec elle. Oh non, mais il est pas du tout à la fin! Pourquoi j'ai vu qu'il était à la fin? Pourquoi j'ai vu qu'elle l'avait lâché à la fin? Putain! Je suis une merde. Il n'est pas trop tard pour le faire. Il décroche, je saute dessus, on finit. Hier, pareil, je jouais l'inconnu parce que j'essayais de jouer quand même un petit peu. J'essayais de moins de monter, je crois. Et genre, il y avait des survivantes qui avaient en fait déboussolé et qui se foutaient en fait en dessous. L'un de Freddy en fait dans la cave, pas dans la cave, pas dans la cave, mais genre en dessous sol où il n'y avait pas la cave justement. Et il faisait exprès de se mettre à couper dans un coin. Et genre, j'ai quand même réussi à les niquer, mais c'est un truc de fou comment c'est ultra concerné en fait, ça. Cave maintenant, évidemment. Enfin, dans la salle maintenant, évidemment. Sérieusement. Putain. Il ne m'approche pas. Alors, j'ai une théorie.
Alors attendez, j'ai une vraie théorie. Il est peut-être juste complètement con. Peut-être que les crochets dans la cave sont pas des crochets ensanglantés qui donnent moins de points de sang. Supposition. Je passe, non. Je passe. Au début, je me dis, ah, il va me lâcher, genre en mode, vas-y, il y a eu de la peine et tout. Ouais, là, on le fait, hein, le générateur, quoi. Il faut moins 1. En vrai, je vous ai dit, un Zephyr, c'est vraiment du pif. Hein. Autant on peut en faire plein, autant je peux en faire. Autant on peut vraiment faire genre 4 générateurs dans la même partie, comme ça, tranquille. Comme ne pas en faire pendant genre 10 games, mais vraiment. Il y a des trucs à débloquer. Ah, c'est vrai que j'ai 200 trucs. Je commence. Hein. Oh, je l'ai pas en fait. J'avais débloqué parce qu'il n'y avait pas le prix. C'est con, je l'ai pas Elodie, mais pour le coup, son skin me donne pas envie de l'avoir. Mais c'est quoi cette tenue? C'est moi ou Steve, c'est un géant. Genre, quand je le vois, je me fais réflexion. Et c'est vrai, les tailles des survivants sont pas accurate. Hein. Genre, Jill là, c'est une naine, hein. Je suis désolé. Hein. Jill, elle est plus grande que ça dans les jeux. Ellen Ripley, en théorie, c'est censé être la plus grande des survivantes. Hein. Des survivantes et survivants. Il me semble. Alors qu'elle est petite. C'est débile. Pourquoi ils ont des A? Oh, j'en sais rien. Je veux dire, ils sont peut-être sexistes. Mais le problème, c'est que bah non, vu qu'ils font des trucs un peu progressistes et tout, du coup, c'est bizarre quand même, soit en fait. Attends. Je viens de voir des bois là au loin. Attendez, à combien de grandes personnes, j'ai vu des arbres, donc il y a des forêts. Pourquoi vous avez essayé de camper au milieu d'une mare de sang avec des crânes? Il y aurait que ça. Bon, bah voilà quoi, mais. Des bois à côté. Bizarre comme choix. En vrai, l'event aurait vraiment pu se là s'il y avait eu vraiment genre une ambiance rouge sur les maps et genre vraiment un ciel vraiment rouge avec une lune rouge et tout. Là, j'aurais tombé amoureux quoi. J'aurais dit oui. Donc voilà, on a passé à ça. Peut-être faut que ça reste pas mal aux yeux, je sais pas. Enfin, c'est pas compliqué, juste changer une couleur. Hein. Apparemment, je vais mettre ma droplette quelque part avant. Ouais, genre là au milieu de rien, c'est bizarre. Je vais pas regarder d'ailleurs les points de temps que ça me donnait. En vrai, je commence un peu à le voir en vrai. Les deux personnes jouent avec, c'est bizarre. Et je commence un peu à le voir. C'est quoi le bruit? Je pense que ça lance un truc au pif.
ça, on se copie. J'ai peur, je connais ça, je comprends pas. Je bug du Vietnam. Un, deux, trois, quatre. J'ai marqué. Un, deux, trois, quatre. Là, si je parle comme ça, c'est déjà mieux, je trouve. Même si c'est pas bien sûr parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Oh. Non, H. Va sauver Jill. Et là, imaginez, elle arrive. Bon, je sauve Jill. Ah, con. C'est pour ça que vous la savez pas. C'est vrai que Huntress, c'est non, c'est vraiment un truc de campeur numéro 1. C'est le fait. Genre, elle a un peu touché Jill, c'est vraiment, c'est juste pour quoi. Putain, mais je suis pas tenu. En vrai, Bite the Bullet, pour moi, pour que ce soit une perte qui soit jouée par les gens, ferait un effet secondaire. Genre, tu mettrais un truc, genre après avoir sonné quelqu'un, genre il a plus de traces de pas sur le sol pendant 30 secondes, ou 20 secondes, même juste 20 secondes. Je pense déjà que ce serait déjà un peu mieux. Je me fais peur, pétasse. C'est quoi, Jill? Attends, quoi? Quoi? Là, si c'est pas la preuve que les tueurs me détestent... Je veux savoir c'est quoi. Je veux vraiment savoir c'est quoi. En tout cas, bonne strat pour me déstabiliser, hein. D'avoir complètement ignoré Meg qui était devant toi, qui ne bougeait pas sur le générateur, pour à la place me frapper moi, franchement, excellente strat. Peut-être pour ça Grim Embrace, en vrai. Vas-y, on va dire que c'est pour ça. Putain, c'est marrant, j'ai perdu ma droppette. C'est vrai que c'est marrant ça. C'est marrant, j'ai pas perdu ma droplette. Voilà. Là, si je parle comme ça, je trouve ça beaucoup mieux. Vous avez le droit de me sauver s'il vous plaît. Je vous ai sauvé. Oh mais mec. Ah
Il y avait Grim Embrace, donc aucun générateur qui était disponible et vous m'avez pas sauvé. Vous êtes sérieux? Tu peux pas passer. Est-ce qu'il y a encore derrière? Non, encore que tu. Non, vous êtes sérieux? Oh, on va vraiment jouer à des points de sang. En gros, j'ai eu 500, je crois que le dur gagne. Non, il gagne 500, c'est vrai. Non, c'est ça. Je dirais qu'il gagne 500. Non, 1500, c'est je crois que c'est quand il accroche le coin. Même si vous m'avez laissé tomber, je vais quand même se sauver. Tu. Je me rappelle d'un temps où les zones 13, je pouvais tous activer leur vie. En même temps, c'est un temps où genre c'était une des meilleures parts. Je me suis dit, c'est pas ça. Enfin, c'est un grand mot. Et bien sûr. Alors on ne sait plus bien sûr que j'allais tourner vers la gauche. Faut esquiver. Hein. Porteur, je n'ai pas esquivé. Pire le plat au jeu, c'est le pire le plat. Je suis plus de bruit, genre quand je suis pas blessé du coup. Putain, il est loin! Surtout, j'oublie que la perte fait ça. Je crois un générateur. 3 des points. Je pense que les générateurs sont là-haut. On a fait sur ce côté-là. Est-ce que ça va enlever? Ouais. Je crois une des paires qui s'est tapé le plus gros boost et que les gens ont quand même. Ont la paire qui est quand même restée en ignorance, c'est Poids Plume. Poids Plume avant, ça réduisait juste d'une seconde le temps que restaient les traces de pas. Pour après genre réduire mais genre de 4 secondes, donc c'est-à-dire qu'il faut rester littéralement genre une seconde et demie. Et pourtant genre les gens, une seconde, je sais plus tout le monde, mais genre un truc comme ça. Les gens ont continué à ne pas jouer. C'est fou. Parce que les traces de pas restent 5 secondes de soi, il me semble. Très érafiant. C'est une paire qui les réduit genre je crois de 4 secondes. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le décrocher. Enfin, si j'y arrive. Je me fais pas DB dead. Genre comme ça, par exemple.
Léo! Que j'ai vraiment eu faire un espace, genre quand je passe à côté du générateur, pas enfin, de la complication pardon. Je savais qu'elle allait faire ça. Vous y allez vachement proche, je pense que ça va donner un coup de hache. Non, 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 elle a mis un coup, putain. J'ai un bonus de 14 points, Blood Moon, Blood 7, je sais pas c'est quoi, mais alors si c'est vraiment le fait d'être dans la zone, c'est très honteux. C'est que 14 points, quoi, on s'en fout de 14 points. Même sur 40, j'aurais râlé. J'aimerais bien avoir les. Genre vraiment les statistiques, les points qu'on se fait. Attendez. Genre par rapport à l'event. Genre c'est quoi le principe de l'event en fait? Après, je me suis fait 57 000 points. C'est beaucoup, hein. Ah bah tiens, je disais parce que je joue avec si en fait. En fait, il y a des gens qui jouent avec. Finishing, repairing. Non, ça jamais, hein. Ça jamais, je vous le préviens. C'est quoi? Ah, ça va. En fait, ça va parce que si c'est une game où t'es un peu tranquille et que tu vois pas trop le tueur, en vrai, tu peux facilement en avoir une en générateur déjà. Ou si t'as pas trop, si t'as de la chance et que t'es pas trop spoté par le tueur, en vrai, tu peux faire par altruisme. Tu peux le faire en altruisme aussi. Donc en soi, il y a deux trucs qui sont assez sympas à faire. Et puis pareil, si tu vois pas, bon, imaginons dans un cas où on voit pas le tueur de la game, ce qui peut arriver, ce qui est rare, mais qui peut arriver, on peut très bien avoir le doré en s'échappant. En survie. Hide in the killer radius inside any bull zone for 20 secondes, besoin que les canards besoin. En vrai, ça, contre un Wesker, c'est faisable. Moi j'aimerais avoir la texture la mouvante là. Faut que j'ai un record et que j'en fasse un gif. Juste la petite texture là comme ça, genre découpée là mais. Le truc quand tu fais des gifs, ça va retrouver le moment où ça boucle en fait. Si on n'en pète, on se voit, eating a survival, eating a driver, 6 minutes. Ok.
J'ai pas spécifiquement de perk là par contre pour avoir ma. Enfin, avoir la Gold Kaidi. Je garde ce but pour l'instant. Je dirais que j'aurais changé. En fait, c'est que c'est un build qui fait un peu solo, mais il fait aussi un peu support. Parce que ça peut me servir aussi pour d'autres gens. Mais attendez, est-ce que Nightlight a mis à jour son truc? Parce que j'aimerais bien voir les couleurs et tout. Hein. Nightlight. Ah, il s'est fermé, il s'est ouvert, il s'est fermé. Ah, c'est bon, c'est rouvert. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, toujours pas. Mais ça. Mais en vrai, vous savez que depuis, y a rien eu, je crois. Enfin, y a rien eu. C'est bizarre, ça. Attendez. Un cul de hauteur. Genre on peut mettre par mise à jour. Évasion. Appli. Est-ce qu'on peut mettre au plus récent? Genre par exemple, Evasion a fait un truc il y a 13 jours quoi. Mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est hyper cool là. Non mais je vais tout voir. Ouais, vas-y, elle a fait des trucs genre vraiment en mode. En plus, juste mes perks, je m'en fous des items en soi. Ouais, c'est trop dommage en vrai. Bref, on retourne sur DB. Aïe, ma jambe. Vous voyez comment elles sont repoussées? Regardez. Là, ça repoussait moins, là. Mais ça repousse quand même bien. J'aime les cheveux qui repoussent là, parce que, base, non. J'ai moins de barbe. Je me suis pas rasé ce matin. Hein. Ni hier, d'ailleurs. Mais j'ai moins de barbe. Et j'en aurai de moins en moins. Par contre, je l'ai dit maintenant, mais parce que je l'ai pas dit. La cam, je la mettrai pas tous les jours. Je le dis. La cam sera pas là tous les jours. Parce que. Exactement. En fait, du jour, j'ai l'impression que, genre, parce que comme des moments, je dois me raser, des moments, genre, j'ai la flemme de me raser, j'ai qu'envie de streamer tout, par exemple, là, je mettrai pas ma cam, je pense. Mais j'essaierai de la mettre de temps en temps.
Normalement, les changements devraient se voir au bout de 6 mois, donc vous notez, hein. Fantastique. Fantastique. Mimic. D'ailleurs, dommage qu'on ne fasse pas en game. J'aurais mimic en game. Il n'y a pas de survivante qui me parle in-game, il me semble. À moins que la pote d'Alan Wake, là, la meuf du FBI, elle parle, je sais pas. Ça va, clone de moi en moins séduisante? En vrai, est-ce qu'on mettrait pas des trucs un peu plus mieux quand même? Parce que ça, c'est de la merde. J'ai cliqué, ça m'a envoyé me faire foutre! Bon, c'est pas grave. Par contre, les puddings, ça y va. Hein. Bah en soi, tant qu'il y a pas les... tant qu'ils ont pas remis les droplets, enfin les yeux là, c'est nul, hein. Mais c'est trop dommage, quoi. En vrai, l'event, franchement, juste pour le coup, là, des yeux, enfin l'offrande des yeux qui ont disparu, il devrait être, genre, comment dire, il devrait être allongé, hein, vraiment. Rallongé de chaque jour le truc qu'on l'a pas vu. Donc là, ça fait deux. Imaginez genre les trucs qui s'apparaissent au bout d'une semaine. Je pense pas. Déjà, ça m'a étonné de pas les revoir là, de remplir pour de vrai. Enfin, les yeux. Vraiment, ça m'a vraiment étonné. Parce qu'ils sont pas venus, personne ne les a vus. Par contre, comme intervention, c'est assez urgent du coup pour profiter de l'event. Je pense pas que c'est pour profiter de l'event, mais j'ai une pensée, je me dis, c'est pas trop mal. Tiens, je te donne du sang. J'ai toujours pas fait l'expérience de voir si, genre, quand on joue le Oni, le masque est quand même là ou pas. Par contre, ça me trigger, ce meuble-là existe dans les Sims 2. Meuble escalier. Et puis sur clic gauche, mais non, c'est vrai que c'est A. C'est A! Y'a rien évidemment là-dedans. Regardez, ils se font exprès pour se mettre les générateurs à chaque fois en dehors, quoi. Ah, c'est Zunkno. Zingzor, je joue vraiment qu'un bel poulet. Ouais, ça m'appelle, c'est qui? Allô? Une arnaque. Bonjour, vous êtes mis en correspondance. Vous allez mettre en relation avec votre correspondant. Oui, bien sûr. Okay. Oh, mais c'est madame. Je sais plus où faire combien de générateurs pour avoir le truc doré, je crois qu'il va en faire deux. Après, si tu fais quelqu'un d'autre, ça va plus vite. Si tu rush kit aussi, on aura forcément un truc doré en évasion. Pourquoi j'ai
Pourquoi j'ai entendu du bruit, mais j'ai pas vu tes habités. Il existe. Non, comment elle a fait? C'est pas possible. Être dans le coin là, j'ai sauté, elle était revenue là. Elle a pas le temps, jamais de la vie, un tueur a le temps de faire ça. C'est impossible. Tu peux pas avoir le timing. J'y crois pas. Comment t'as fait? Vraie question, comment t'as fait? Soit elle avait un clone et je l'ai pas vu. Ça, je sais pas, non, c'est d'autre. Ça, j'ai vraiment, mais alors, super mal analysé la situation. Ah. En vrai, ce skin aurait dû être le skin de base, je trouve. Il est beaucoup plus réussi que le seul base, qui est vraiment très trop basique, je trouve. Rien, c'est moi bébé. Ah, le bug. Le fameux bug. Un gros bug de merde. Ah, je suis dans la zone, d'accord. Sinon, c'est bâtard d'avoir mis le truc. Hein. Non, en vrai, je sais pas, ouais, je dis ça, mais en vrai, je sais pas, ça fait quoi dans la zone. Hein. Bon, c'est censé doubler les points de sang. Je sais pas quoi sert cette zone. Personne va sauver une scène de fer.
Non mais Claudette, tu fais quoi là? Je vais mourir, je pourrais avoir un truc doré gratuit. Oh là. Je l'ai ou pas? Non, j'en ai au moins un. Quoi? Ah oui, non, d'accord, pardon. C'est c'est. Attends, c'est. Ouais, c'est. Non, c'est lequel? C'est lui, ouais, ok, c'est lui, le faut s'échapper. Lui s'appelle Evader, mais c'est pas s'échapper du tout, c'est genre loup, tu vois. Mais je l'ai mis le serre-mort moi aussi, pourquoi je l'ai pas? Est-ce qu'une émote anime a gagné? Dans l'event? J'espère que oui. En vrai, y a un truc qui fait tellement de trucs faits par IA. En vrai. Vraiment, vraiment, c'est 100% fait un truc. C'est un truc, genre, on dirait trop que c'était fait par IA. Moi j'ai rien contre l'utilisation des IA, je trouve que ça peut vraiment aider à la créativité, genre par exemple en servant de modèle ou en servant, genre en vrai tu peux genre repartir dessus par exemple. Genre en faisant quelque chose par-dessus. Mais alors quand tu laisses comme ça, non évidemment que non. Mais alors il y a un truc, attendez. Jutsu challenge. Ça me fait comment pour aller. Mais on s'en fout de ça. Fini tant à mort, ce tant à mort, c'est bientôt, hein, vous savez. Ouais, genre ça, il fait tellement de trucs par ailleurs. En plus, c'est même pas très beau, je trouve. Oh, son beau visage. En vrai, Lodi, elle a un skin vraiment stylé. Hein. Et Lodi, j'ai déjà dit, mais en vrai, je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Une génie de base, déjà, en vrai, j'aurais vraiment pu mettre le personnage. Ah, ce que faire équipe, ça, quand j'ai mis serre, ça m'a dit non. Dégoûté de pas avoir le corbeau avec la lampe. Alors que j'avais fait en plus, hein, j'ai vraiment l'événement Light Toot, j'ai vraiment fait tous les défis quoi. Je vais voir à quoi ressemblent les autres charmes du coup.
Enfin, les autres chars, mais les autres trucs à débloquer. Je vais être déçu, je sais. Alors. Un, deux, trois, quatre. Alors, je vais aller voir vite fait, c'est quoi il ressemble, le truc. Dis vite. Oh, trop bizarre. Effectivement, Jane a joué contre quelqu'un qui avait un charme qu'on sait qu'il existe un leak, mais qui n'a pas été distribué encore. Bizarre. Quoi? Quoi ce message? Cet événement a été conçu pour être la plus grande perte de points de sang de l'année. Oui, c'est vrai. Je vais être prévenant et n'utiliser. J'ai pas compris. Là, qui dit que c'est le plus gros événement de points de sang de l'année. Et du coup, faut être prévenant et ne pas aider ses offrandes de points de sang. Si on envoie un vers ça, il faut fermer le jeu pour pas laisser le jeu se charger. Pourquoi? Puis j'ai dit, c'est débile. Mais... À part, d'accord. En fait, c'est que l'offrande de... Ok, j'ai compris. En fait, c'est que l'offrande de points de sang, je vous ai parlé, en fait, si elle a été retirée, c'est parce qu'en fait, elle annulait les bonus de tous les autres points de sang. Et du coup, en fait, on gagnait rien. Encore avec ça, je vais me pamper. Oh, elle a pas montré les offrandes. Offrande, petites offrandes. Offrande, petites offrandes. Non, montre pas. Ah ouais, d'accord. Ouais, en fait, d'accord, elle a pas montré du tout à quoi ressemblerait. Bon. On va voir par contre qu'il y a un film Blumhouse sur Dead by Daylight qui va être fait. Au secours. J'y crois pas. Des BD en... Alors, Dead by Daylight, en soi, il y a des idées pour en faire un film, mais tu peux pas faire un film Dead by Daylight, c'est ça que je veux dire. Tu peux faire un film sur le Trapper, tu peux faire un film sur le Spectre, tu peux faire un film sur la Nurse, tu peux faire un film sur Dredge, sur Spirit, sur le Oni, tu peux faire des films sur quasiment tous les tueurs. Mais tu peux pas faire un film Dead by Daylight. Ouais, je trouve ça pas très intéressant. Ça a juste été des refs, mais non, arrêtez, c'est comme dans le jeu! Mais on s'en fout en fait. Ouais, faut que je me cache. Okay.
Là, y a pas un truc qui rend tout le monde malade dès le début de la partie? Non? Non, elle a pas ça. Enfin, moi, s'il y avait pas un dernier d'un tueur qui avait un truc qui pouvait faire en sorte que, genre tu pouvais pénaliser les tueurs comme ça, c'est pas plague. Parce que je sais que, genre, il y a singularité qu'un truc comme ça. C'est sûr, mais plague. Bon, je vais me servir un coup de jus d'orange et je vais aussi me remettre du minoxidil en speedrun. Je reviens. Mon casque s'est bloqué. Trop bien. Alors, je vais là-haut, je fais attention qu'il me rush pas tout ce qui va vite arriver sur ma gueule. Hein. Un, deux, trois, quatre. Que le Oni, ils ont pas mis son masque, je veux dire, en tout cas débloqué avec des points. C'est pas grave, mais on est que le Oni, je trouve que les masques de base qu'il a, ils vont bien. Quasiment tout ce qu'il a fait. Bien sûr qu'il y a un skin du Oni, c'est vraiment un Oni, mais pour de vrai. C'est dingue. Exprès que tout genre soit bien, genre pas dans les générateurs. Donc moi, ça va faire 3000 points dans le générateur. Ça, par contre, fait très très plaisir. Donc, je rentabilise bien mon offrande là pour l'instant. Thank you.
Ouais, je trouve qu'il faut le faire à la fin, ça aussi. Le générateur comme ça, faut les laisser en dernier. C'est attention de pas te faire niquer par la stratégie de survie dessus. Quoi qu'en vrai celui-là, non, faut le faire dès le début. Parce qu'il est vraiment au milieu et tout. Quoi. Non, mais il y en a d'autres pages, genre par exemple celle du saloon. Celle dans le saloon, je trouve qu'il faut pas du tout la faire dans. Faut pas du tout la faire genre dans dès le début quoi, faut vraiment la faire à la fin. Faut rien d'y aller pour faire des trucs comme ça mais. Bah déjà derrière moi quand même. Non mais soit j'ai vraiment une mauvaise estimation de la vitesse des tueurs. Oui, la frise. Par contre que l'effet, alors je veux bien que l'effet Manglade et hémorragie du coup maintenant et un temps avant avant de disparaître. Par contre ce serait bien qu'il s'active dès que tu te fais des quoi. Parce que là, littéralement bon. Et soignez-moi. Ouais, j'ai vraiment un build de noob, pour de vrai. Hein. Vous avez mis des droppettes ici? Je vais me cacher. Oui. Yes. C'est pas trop compliqué à faire le défi en vrai. Le Onin est considéré comme très dur à jouer ou juste dur? Parce que même moi je saurais pas dire. Si Blight par Blight est considéré comme très dur, même ça c'est normal. Tu veux dire si Blight est considéré comme très dur, le Onin doit être aussi considéré comme très dur, mais en vrai non. Ah en vrai, en un sens, le Onin est plus technique à jouer que Blight. Est-ce que les devs ils ont compris ça?
Ça t'es venu faire ça. J'avais oublié. C'est vrai. C'est réel. En vrai, je crois que le Oni, c'est un des persos qui a reçu le plus de skins durant les events et les lives. Avec beaucoup de chance, la cave est là-dedans. Non, elle est jamais là-dedans. Ok, bonjour. De gauche, je suppose. Ah, il a bougé, ça y est. C'est vrai, je ne peux pas prendre ce qu'il y a moi, je suis un éconneur. La porte, j'en ai vu une là-bas, je suis pas sûr du tout. J'en avais une là-bas aussi, il me semble. Donc là-bas et là-bas, donc normalement ils sont posés. Les boom boosted. Ah, parce que je suis dans le truc là. Donc il y a vraiment un truc. Attendez. Bon, tant qu'il les accroche, moi je me casse. Salut! Pas envie de crever. Je connais la fin de ce film, on rappelle. En vrai, meilleur conseil que je vais vous donner, hein, n'hésitez pas. Soit vous y allez, soit vous y allez pas, et un conseil, n'y allez pas. Vous pouvez vous tirer, à moins que vraiment c'est free de délivrer la personne. N'y allez pas. Je vais le prendre, hein, mais parce qu'il n'y a rien d'autre à prendre. J'ai même pas vu combien de points de sang j'ai gagné. Beaucoup apparemment. Je sais plus comment je vais dépendre de points de sang, mais alors beaucoup. Et oui, du coup, en fait, cette safran a été enlevée parce qu'en fait, elle.
Et le comment dire? En fait, attends, on a enlevé tous les bonus de points de sang à cause d'un bug. Par contre, c'est moi où le truc donne pas de points de sang en plus. Tu devrais un petit bonus. Genre un petit 25%, j'aurais dit. Allez, prestige 2. Par contre, des trucs, ça a l'air d'être un peu de fraude, non? Ouais, je sais quoi ça. Il y a des items. Mais du coup, maintenant. Mais. Quoi cette dinguerie? Des items. Ouais, par contre, il rend bien, je trouve, le title card. La carte, je trouve que c'est vraiment le meilleur item. Hein. 20 secondes d'affût, ça, oui, ça, ok. Est-ce qu'il y a un truc pour voir les totems? C'est quoi Killer Belonging? Je crois pas. Ouais, vraiment, par contre, là, je trouve que c'est un des meilleurs objets parce que ça change vraiment le gameplay, je trouve, en fait. Là où la boîte à outils et la tout sens, c'est vraiment juste un. Enfin, c'est juste vraiment juste un effet en plus bonus, quoi. La lampe aussi, je trouve qu'elle change un peu le gameplay en soi. Elle change vraiment ta façon de jouer. La clé, par contre, a fait jouer les gens comme des cons. Donc ça, c'est rien à voir. Les clés, faudrait vraiment, je pense réellement qu'il faudrait supprimer les clés du jeu. Ou alors que ce soit un truc vraiment trouvable que dans les coffres. Et que ce soit très très rare.
Ah, Pig. Pig qui ne voit plus ses boîtes maintenant. Il a fait prout, hein. Voilà. Oh, le troll quoi. C'est vraiment ça, ça donne vraiment des points de temps en plus en plus. Hein. Le troll est ultime. Je vais faire des habilités. Oh, ça me vient pas le point. Non. C'est vraiment du troll. D'accord. À mon avis, ils ont vraiment été passés au pif en fait. Et comme par hasard, bah pas sur des générateurs, à part de rares cas. Parce qu'à chaque fois, ils sont vraiment, genre, à la frontière d'un générateur. Par contre, X en intervention magnifique, c'est un peu... J'aurais pas osé personnellement. Après, chacun fait comme il veut, hein. Il y a même genre la frontière de la boîte quoi. C'est-à-dire que quand tu fais le test d'habitude de la boîte, c'est nickel. Ni la palette, ni la palette. Pig en vrai, le truc qui la rendrait tellement meurtrière, mais qui serait incohérent avec son lore, son gameplay, enfin, le personnage en général, et en plus, vraiment, je trouve qu'elle la rendrait vraiment cancer. Ce serait un truc de zone. Par contre, en vrai, une vraie idée que j'ai eue pour Pig, en vrai, pour la rendre vraiment plus intéressante. Alors, le pire, c'est que je pense pas que ce serait si bien que ça non plus. Mais en vrai, lui donner un bonus de vitesse, genre de déplacement, un peu comme la marchande de crâne. Mais par survivant qui ont un casque ou par casque enlevé. Là, c'est un survivant pour un casque, t'as un bonus de. Je sais pas, de. On va dire une dinguerie de 4% la vitesse, mais il tombe à 2% une fois qu'il l'a enlevé. Mais tu gardes quand même un petit bonus. C'est vrai que plus la game avance, plus c'est rapide. Ah, c'est moi? Non, j'ai peur. Regarde, t'es tellement mort. Ouais.
C'est ça que je disais, ça sert à rien, en vrai, que la meuf ne voyait pas, c'est tellement mort. Et game over. Oui, toujours en vie là-bas. C'est pas elle, mais je ne voyais pas, du coup. Imaginez, c'est le bon. Ce serait une première. Pour moi, ce serait vraiment la première fois que ça arrive. Je suis vraiment. Je pense un truc de chance comme ça. Genre, réussir à abîmer un Pokémon. Quoi. C'est con, il y avait deux banderoles de bêtes cinglantes. J'ai rien foutu de cette game. Je me mets là pour découvrir, ça me fait plus de peine. Ouais, plus 6. Tu lances plus de points. Ça va être carrément cool. C'est vrai que Pig a un petit bonus de vitesse comme ça par rapport à ses casques, ça pourrait être sympa. En fait, faudrait vraiment que ce soit juste par casque enlevé en fait. Dès que tu mets un casque, t'as pas de son de bonus de vitesse, dès qu'on l'enlève. Un petit 2% par suivant. Sur un malentendu. J'aimerais bien jouer en fait faire des points de sang. Ouais, ça donne des points de sang ça. Allez! Générateur là. Hop hop hop. Et oui, putain, mais ça stick. Ça fait double point de sang. Par contre j'ai pas de belette hein. Ça t'as vu le jeu. Ah. Ah oui. Pig en vrai j'ai un peu envie de la jouer, après je l'avais joué et j'avais rejoué, j'avais pas trouvé ça non plus très très dingue. Enfin je vais faire pareil que Steve en plus là, j'ai vraiment foutu dans le mur pour grimper. Le fait de courir tout le temps comme ça, c'est tellement un truc que t'as quand tu commences. Juste de rôder à chaque fois que t'es couché. Ce qui est bien, ce qu'elle a fait là par exemple, là, c'est qu'elle m'a couvert dès que j'ai décroché, mais après c'est barré. En vrai, c'est vraiment très bien. Parce que sinon, bah du coup, le tueur va. Ah, c'est juste qu'on a mis là pour gêner le tueur, là où ça voulait mettre un coup. Alors, est-ce que ça va le coup de la décrocher du coup et de pas gagner des points de sang de générateur? Je pense que oui, parce que quand même, 1500 points de sang, on crache pas dessus. Et aussi parce que en vrai, bah au moins elle est pas morte. Parce que si je l'aurais pas aidé. On en sait rien. On n'en sait rien. En vrai, j'ai tellement glow up au niveau du jeu. Dès que je regardais les scripts, ça me dégoûtait. Enfin, les cheveux que j'avais. Donc, je l'ai dit. C'est vraiment pas une blague en plus.
J'ai gagné 24 000. En vrai, 24 000, c'est très bien. Ça prend pas en compte la bande run, il me semble. Oui, oui, parce que j'ai 60 000. Ça. Par contre, 60 000 avec deux bandes run, avec une event point de sang, censé être super testostéroné. Ah, pas sûr. Non. Non, par contre. Ouais, non. Donc, il a pas crié, je sais pas pourquoi. Ah, ça. Je veux voir, c'est quoi les packs de pile. C'est bien, les joueurs piques sont moins toxiques. Après, c'est vrai qu'on est passé de joueurs piques qui s'assied devant les boîtes pour pas que tu puisses enlever tes casques à des joueurs piques qui sont tout en bas. C'est aussi le truc, c'est que des fois les joueurs qui n'ont pas la hache, moi ça m'arrive, c'est que t'as pas le temps, c'est dommage. Ah, il avait Rancœur. J'aime bien Rancœur, ouais, ce clic, vrai truc. En vrai, c'est bien ça. Vrai, quand au début le combo existait, j'étais le seul à jouer avec. Je m'en vantais même en disant, ouais, le build de Playfing, Pentimento trop fort. Avec ça, je joue avec Thanatophobie et Bouchy Sadique, mais ouais, c'était vraiment très fort. Et maintenant, tout le monde joue avec, quasiment. Enfin, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec. C'est rigolo. C'était vraiment mon build signature. Après, je pense que le problème avec Pentimento, enfin Pentimento, avec Playthings, c'est que Playthings en fait c'est une paire qui vient du Cenobit, c'est pas un tueur que tout le monde a. C'est improbable que c'est un des tueurs que les gens en ont moins. En vrai, vite fait, hein. Le tueur que les gens ont le moins, je pense que ça va être Myers. Je pense que c'est forcément déjà un tueur de licence et un tueur genre en mode. Genre en t'achetant une fois. Chucky peut-être. Chucky, ça m'étonnerait pas. Après, Chucky, c'est un peu fun à jouer. Il y a un petit. Je pense que le tueur de licence, par contre, enfin le tueur débloquable que les gens ont le plus, en vrai, ça pourrait être lequel. Licence, je pense que ça doit être Whisker. Ça fait mal au cœur de je pense que ça doit être Whisker. Ou Nemesis. En vrai, je sais pas. De non-licence, genre que t'as pas dès le début à acheter, ça serait lequel. En vrai, je sais pas. J'ai envie de dire Légion, mais en vrai on n'en voit plus des Légions. Et il me semble que c'est que, genre de là, sans compter les licences, hein. Mais du Trapper à Légion, sur console ils ont les tueurs. Parce que je sais que de base sur console ils ont Spirit. Et il me semble Légion aussi. Ouais, le tueur le plus débloqué. J'ai envie de dire Blight, sinon. Blight, c'est le premier qui m'est venu en tête. Après, je me dis, les joueurs Blight sont pas non plus si nombreux. On les voit souvent parce que c'est top tier, mais en vrai, ils sont pas si nombreux. Et tu regardes, en vrai, on voit aussi beaucoup de tueurs très basiques, genre Huntress, Spectre. Enfin, Spectre, on voit pas tant que ça. Mais Spectre, ça dépend. Par contre, c'est terrible que dans le menu, quand t'es dans tueur, y a pas un bouton switch pour passer à survivant. Je crois que t'en as un dans le contre les bots. Je sais pas pourquoi. C'est.
Va savoir. Je vais tenter de trouver une partie tueur, mais je sais pas si on va trouver. Il y a vraiment une musique de lobby. Un musique de lobby, hein, je parle bien de la France. Fantastic. En vrai, on fait pas ça pour le film. Que j'ai mis une banderole. Il y a une enveloppe, c'est gentil. Contact ça, c'est bien. Oui, j'ai cette image. En vrai, j'essaie de le mettre près d'un générateur. Non, non, c'est tout bon. Donc, si on me tape dessus, je vais les mettre un truc. Oui. Ah, à plague! Mon build ne sert à rien. Ouais, en vrai, c'est tellement une des choses qui demande le plus d'organisation quand tu joues contre. Qu'est-ce que tu fais, grosse débile? Pourquoi à chaque fois dans les gameplays, il y a un débile? On s'en fout d'être contaminé! Pourquoi à chaque fois? C'est vraiment grave en vrai. À chaque fois, t'as quelqu'un genre qui. Le principe de la gameplay, la strat de base, qui t'aurait connu par tout le monde. Enfin, pardon, je dis tout le monde, mais en vrai, je suis d'accord qu'il est quasi tout d'accord, mais. C'est que genre. On s'en fout d'être contaminé.
Et il faut pas se soigner avant la fin de la game. Plus grosse bouffonne! Putain, en plus, j'ai oublié mon déshabité, c'est que je suis en train d'insulter. Ah, des énervés qui me gagnent leur amie, parce que. Dégueulé dessus, mais genre, comme un con. Le pire, c'est qu'elle, c'est sûr, elle se vomir dessus, elle va courir vers un truc. On se soigne. Obligé, c'est obligé. Obligatoire. Allez, va la décrocher! Va la décrocher! Décroche-la! Ton handicap est si avancé que ça? Couvre-moi. Merci Michaela. Moi je vais la zoner. Elle est malade, attends, on va voir si elle va sonner ou pas. Clac, c'est tellement trop bien quand tu les jeux tombent comme ça au cul et que ton vomi fonctionne correctement. Chose qui n'arrive jamais, mais. Ensemble, je veux dire, genre que les trois arrivent, genre c'est. Enfin, les deux. Être sur le cul, ton vomi fonctionne correctement. Non, Teita, c'est pas ça. Teita, je suis sûr que c'est pas ça. Teita, je te vois. Je te vois, Teita. Ça va, ça va. Merci à celle-là. Thanks God, elle va se casser la gueule avant de boire dans une musique. Ah, ok. Là, il y a un truc là. Hé, hey, il y a un truc, tu peux mettre là. Ça nous a rendu beaucoup. Je suis générateur, j'ai besoin de bien. C'est vrai qu'il faut jouer avec Windows of Infinity, c'est pour ça que tout le monde joue avec. C'est la raison principale. Après aussi je fais pas l'effort de regarder parce qu'on est palette avant en fait. Genre quand je prends en chasse, genre quand je prends, genre voir où il y a les palettes. Michaela, sinon on devrait dire que Michaela a encore bu dans une descente. Michaela, faut la tuer, hein. Faut vraiment la tuer. Parce qu'elle nous pénalise. Hein. Par contre, là, je suis très ouvert de débuter.
Arnéa, si tu pouvais me sauver très rapidement, ça serait vraiment très très cool en fait. Merci Néa. Il y avait une drompette à mettre. Très ingénieur. Mais non, mais fous-moi la paix! A été à l'arbre, à cette épée sur moi. Derrière l'arbre. J'ai trouvé une droplette, espèce de grosse connasse de merde. J'ai trouvé une droplette à côté d'un générateur. Et il fallait qu'elle me casse. Il fallait qu'à ce moment-là, elle décide de me trouver de un. Hein, et de deux, de me tuer. Hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou comment ce jeu, c'est la preuve. Chaque fois que j'y joue, c'est la preuve scientifique que j'ai la poisse. Et que qu'une entité, je ne sais où, me déteste. C'est fou par contre, en vrai c'est un blague à part. C'est vrai que comment quasiment chacune des games, c'est un exemple de jeu me haït quoi. Je dis ça en même temps, quand je regarde mes games avec du recul, je trouve que ça va. Après, je suis pas dans, forcément quand je regarde avec du recul, je suis pas dans le mood quand je les ai vécu. Mais genre, il y a aussi des moments où je me dis, waouh, faut vraiment avoir une poisse d'enculé quand même. Et ça, c'est souvent que je me dis ça. Il y a des moments, je regarde des. Parce que. C'est vrai, je regardais des passages comme ça. Par nostalgie ou autre. Hein. Et, genre, je regarde des passages et je me dis. Je me dis comme ça. Ouais, là, c'est sûr, il va t'arriver ça. Genre, là, je vois, je fais un truc, je fais. Ah, c'est sûr, il va t'arriver ça. Et genre, ça. Et c'est le truc qu'il faut pas que ça arrive. Ça me sert pas beaucoup ma carte. Pourquoi je fais une sorte d'objet? En vrai, une paire qui te fait commencer avec une carte, c'est vraiment top. De toute façon, j'ai dit en vrai, une paire qui te fait commencer avec un objet au pif, c'est top. Il y a dramaturgie qui te fait donner un objet au pif, mais en fait, il y a d'autres effets aléatoires. Je dis, tu l'as pas forcément. Personne joue avec les compétences de MicroSK. Parce que je me rappelle qu'il y avait un moment tout le monde jouait avec. C'est quoi le nom? C'est dramaturgie en fait. Ouais, ça, bah tout le monde jouait avec ça et en fait personne jouait avec ça. La barque était rigolote en vrai. Faut reconnaître. Became exploded for 20 seconds. But nothing happens. En fait, le truc moi que je redoute, c'est le scream but nothing happens. Mais ouais, Nicolas Cage, je trouve que c'est un personnage en soi qui est assez intéressant. Si un jour ça intéresse quelqu'un. Genre, mais il a peur, genre que les perks soient pas bien. Parce qu'il voudrait, genre, jouer un truc qu'il aime en même temps. En profiter pour avoir des perks un peu petits. Franchement, Nicolas, je trouve que c'est pas un mauvais choix. Il y a mieux, mais ça va. Genre, ça, par exemple, ça reste mieux que vos deux soins, quoi. Surtout qu'elle marche avec la compétence de Bill. Oh bah tiens. On a joué ça. Bah vu qu'elle vient de sortir, on joue qu'elle. C'est comme Alan Wake est sorti, on joue que lui. Après Alan Wake en vrai franchement c'est un suivant que je pourrais rejouer. Parce que j'ai bien aimé le perso.
un pote qui disait ouais, les survivantes, par contre, les bruits quand ils sont blessés, c'est trop abusé en vrai. Ils ont fait trop des caisses, bien vieux. Je lui ai dit en vrai, des personnes masculines, c'est pas mieux. J'en vais vraiment pas mieux. Genre Ace par exemple. Ace, je comprends pas pourquoi les gens le jouent parce qu'ils disent qu'il est discret. Je trouve que c'est un instrument le plus bruyant justement. Y a vraiment des gens qui jouent les survivants par rapport au bruit qu'ils font quand ils sont blessés. Ça, c'est très grave aussi. Là, 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 ici, y a un truc à mettre. T'as une droplette là, là, connasse! T'as des points de sang qu'on perd, bouffonne! Oh putain, c'est Wesker. Non, mais je cherche une droplette, je vais la mettre avant de faire ce putain de générateur. Elle l'a mise? Non. Ah bah, y'en a une. C'est bientôt fini, générateur, je pète un plomb. Bon bah je la reprends du coup. Bah bah nique ta mère le jeu. J'ai compris. Oh, il va mourir. Elle avait une droplette qu'elle a ramassée volontairement, je l'ai vue. Elle ne l'a pas utilisée. Oh putain, je suis en maîtrise. Il y a un générateur en haut. Mais pourquoi tout le monde essaie de jouer avec Grim Embrace? Ça c'est pas bon, ça c'est pas Mais du coup en vrai je crois que toutes les packs de l'artiste sont top en vrai. Peut-être devant le Cénobite. Cénobite, je vois plus tous ces trois paires. En fait, de Plaything et des crochets, c'est quoi l'autre? Ah, un passe! Non, non, ouais, non. Cénobite, par contre, il est vraiment top 4. Tellement de points de sang là. C'est vraiment la plus grosse trolleuse de la Terre. La Terre n'a jamais vu une plus grosse trolleuse de la Terre. Elle a pris une droplette, c'est pas pour la mettre, je comprends pas. C'est un joueur, un truc. Pourquoi on l'avait pu en l'effet? C'est-à-dire qu'on avait le truc sans effet. Déjà, je veux dire, on n'a pas eu le bonus et tout. Et je me demande ça, j'ai le truc que j'en ai fait là et j'ai pas avant. Comment est-ce que c'est? Et en fait, parce qu'on s'est fait. On s'est fait scam quoi. En vrai, je suis désolé, l'événement est très très mal foutu quoi. Le fait que tu peux mettre des droplettes à côté des générateurs, à part dans certaines conditions, dans certaines situations, en vrai, je trouve ça que c'est vraiment de la merde.
Sénéa, j'aurais pas la sauvée en vrai. Puis il y a Wesker à côté. Pour en vrai, je veux dire, quand même, c'est une game contre Wesker, c'est pas contre Wesker que je regarde. C'est quand même assez, assez ouf. Oui, on veut te soigner. C'est vrai qu'on a plus une raison de droplet, mais bon, vu que Nia a décidé de, que l'événement c'était du de l'eau. Avec une trompette en bas. Ah mais de toute façon ça marche pas, c'est en bas. Parce que le jeu est mal fait. Enfin l'event est mal fait. Enfin le jeu aussi mais l'event est mal fait surtout. Ouais genre là le truc il est là. Sauf que si je monte en haut. Alors que le truc est bien dedans, on se fait scam. Regardez. Voilà, je l'ai perdu. Et là je le récupère pas. Ah bah je l'ai encore. Pourquoi? Non par contre là il y a fraude hein. Par contre, je crois que j'ai vraiment perdu là. Oui, non, je l'ai perdu. On va voir. Les gars déshabités, on regarde. Après, je vais me soigner. S'il te plaît. Nique ta mère. Je me gratte le nez, il y a un test d'habilité. Le jeu me haït. Pardon, j'étais vraiment sur le truc plein en plus. Parce que j'ai pas les bonus. Alors que je suis dedans, je suis dans la zone. Je suis dans la zone actuellement, je suis dans la zone mais je n'ai pas les bonus. En fait j'en ai marre de me plaindre des BD pour dire que c'est, les... c'est mal fait, c'est cassé et tout. Parce qu'en fait, je vais déjà on finir par croire que genre je fais exprès d'être pas content en fait. Alors qu'en fait à la base j'ai vraiment envie d'être heureux quoi. Le problème c'est que c'est un fait en fait. L'événement là il est cassé. Il est bien l'event hein. Effectivement tu gagnes des points de sang en plus et tout machin mais. Le fait que les zones soient mal mises, le fait que les zones ne fonctionnent pas correctement m'empêche de dire que c'est bien fait. Chaud pour la sauver. Il y a une bombe là. Putain, là j'ai tellement de somme. Juste pour ce truc là, j'ai un somme intergalactique.
Wesco. Moi, on a décroché Wesco, c'est vrai. En fait, tu me tues autant que tu veux. Je vais vivre ensemble. Il n'y a même pas de totem à détruire. Ça y est, on arrête, hein. Ça fait 2h30 de live. Mais c'est fou ça que je fais que de me plaindre en ce moment. Genre une Kuno, j'ai pas aimé. En vrai, Sable, j'ai bien aimé. Sable, je sais pas si c'est parfait, c'est sympathique. Et une des paires qui est sympa. Et la map, la nouvelle map est cool. Mais alors. C'est vrai que j'ai l'impression que je passer ma vie à me plaindre, tu vois. La dépression, peut-être. Premier symptôme de la dépression. Je trouve vraiment qu'il y a un... En fait, je trouve que dans l'emballage, c'est bien, hein, t'as des skins gratuits qui sont très cool. Pour un événement point de sang en plus, on fait un lobby, une musique de lobby et tout, qui est le lobby magnifique, je trouve que c'est un des plus beaux lobbies qu'on ait eu. Mais en soi, l'événement... Oui. J'ai dit à d'autres faire une vidéo dont on en parlait. Ouais, ma fille, ça, je me donne pas le temps et j'ai la flemme. Tout le monde joue avec ça. Les gens vont arrêter de jouer avec ça, mais par contre tout le monde joue avec ça. Ça c'est... ça... ça m'impressionne. Bizarre qu'ils jouent avec ça. Parce que ça fait pas lâcher les sprays, hein. Ça marche que pour la boîte du Cenobit, il me semble. Ça ferait lâcher les sprays, ça ferait aussi lâcher les cassettes pour Sadako, et du coup, bah... non. Non. Non, bah, j'y pense quand les infos ça a dû être sorti. Genre. Les gens ont dû tellement être heureux pour les perks. Parce qu'à l'époque, c'était. Les perks... En vrai, à l'époque, les perks étaient bien, mais. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de ce qu'on a maintenant, avec tout l'attirail qu'on a maintenant. Mais c'est vrai qu'il me semble qu'en moyenne, à l'époque, quand tu ressortais, il avait plus de chances d'avoir des perks bien que mauvais. Bon, Huntress, c'est vraiment de la merde. Mais genre, regardez Nurse, hein. Thanatophobie, même. Déjà à l'époque, c'était top tier. Spencer, alors non, Spencer Lazar, c'est son pouvoir. C'est quoi le nom? Stridor, voilà, Stridor. Stridor, c'est de la merde, d'accord. Mais sinon, Thanatophobie, très fort. À l'époque, c'était surtout, c'était vraiment top tier. Pareil, Nurse Conning, à l'époque, c'était A tier. Hein. Genre, quand je jouais, moi, Nurse Conning, beaucoup de gens jouaient avec. Tu partais souvent du principe que la personne avait Nurse Conning. Huntress, bon, pour le coup, c'est vraiment pas fou, mais genre juste la hague, hein. Ruine, top tier à l'époque, hein, tout le monde joue avec. Mangeur d'espoir, top tier aussi. Et même Furtil, ouais, c'est pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Même le docteur, hein. À part Overwhelming Presence,
Monitor and Abuse et Overcharge, c'est très fort comme perk. Hein. Overcharge, un peu moins avant, aujourd'hui c'est quand même mieux. Mais c'était quand même joué quoi. En vrai, je dirais que les perks ont commencé à être de la merde à partir de Légion, je dirais. Parce que Légion, elle a Discord, mais c'est tout. Même si Discord, pour le coup, c'est vraiment top tier. Spirit, pour le coup, on va être honnête, elle a rien. Même Clown, ouais, non, en vrai, alors Clown, il a Bamboozle et Pop Ghost the Weasel. C'est vrai. Même si à l'époque, Pop Ghost the Weasel, on faut noter, c'est que personne ne joue. Ah, quoi que ça a peut-être commencé à être de la merde à partir de Pig. Voir Freddy, parce que Freddy en vrai, à part une paire qui est Fire Up, et encore, je sais pas si on est le seul à l'aimer, personne joue avec. Non, peut-être à partir de Freddy que ça commence à être de la merde. Ah, c'est possible! Parce que Freddy, c'est. Faut coup, Freddy, c'est full pas bien, enfin, full pas bien, par Fire Up qui est bien. Vous m'avez compris. Anxman Trick, Surveillance, Make Sure, bon, Make Sure, c'est vraiment très surtout à l'époque, je dirais, quand ça sortait, c'était vraiment. Les gens, ils conseillent juste d'acheter Pig juste pour Make Sure Choice, dites-vous. Et c'est même pas une blague ce que je vous raconte. Il y a vraiment un truc comme ça. Make Your Choice, en vrai, ouais, Make Your Choice, en vrai, c'est bien. Bamboozle, ouais. Lui, il est bonne paire. Elle a vraiment zéro bonne paire. Il a vraiment une bonne paire. Bon, elle a vraiment une bonne paire. Qui est top tier, pour le coup. Qui est probablement dans le top 3 des meilleures paires du jeu. C'est pas la première, d'ailleurs. Ou en vrai, top 1. Je pense que, non, en vrai, par contre, je pense que Commentary, c'est quand même top 1. Alors... Ghostface aujourd'hui s'en sort bien parce que, ok, avant il y avait Furtive Chase qui était une des pires paires du jeu, mais I'm All Ears très fort, Thrilling Tremor très fort, même si beaucoup de gens jouent avec maintenant, très fort quand même. Furtive Chase, c'est pas mal en vrai, hein. C'est une petite niche, mais c'est pas mal en vrai, c'est jouable. Bon, Surge. Alors par contre, je précise que Surge à l'époque en sortie, personne jouait avec, hein. Il y avait que Odzarva qui disait que c'était bien, je me rappelle. Mais genre, personne jouait avec, même moi je crois que c'était pas bien. J'ai vraiment rien de bien, c'était terrible. Sunshine Tactics, c'est bien pour les débutants, par contre. Et sur certains tueurs, genre style Pyramid Head, par exemple. Ou l'artiste. Jirhead, Deadman Switch. En vrai, à part Deadman Switch, je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant. Même Jirhead qui a été pourtant retravaillé, en vrai. Pyramid Head, c'est une blague. Pyramid Head, c'est vraiment une grosse blague. En vrai, c'est pire qu'on mérite d'être un peu rigolote. Genre Deathboon, c'est un peu marrant. Trail of Torment, c'est un peu marrant. Même si Trail of Torment, c'est cassé et que du coup, bah, le nouveau tueur actuellement a une version mieux en fait. Littéralement, il n'y a pas d'autre débat. Alors en vrai, Undying, c'est très fort, surtout à l'époque, ceux qui se souviennent. Bah, à l'époque, pour le coup, c'était cette perk-là qui était top tier. Et Blood Favor, en vrai, c'est pas mal, hein. Pareil, Crowd Control, lui, c'est pas mal, Star Strike. Alors, c'est vrai que c'est marrant parce que beaucoup de gens jouent avec au début. Et plus le temps est passé, plus on arrêtait d'en voir, je sais pas pourquoi. Crowd Control, c'est pas mal non plus. Pour moi, c'est du même tier que Blood Favor. Hein. Et Boom Oriot, c'est top tier. Pas trop de débat là-dessus. Talbansure, très fort. Hysteria. Bon, Hysteria, c'est un peu rigolo, mais sans plus. Éruption très fort, encore aujourd'hui je trouve que c'est très fort. C'est con parce que la version de base c'était très bien, je sais pas pourquoi ils l'ont boosté pour après la nerf pour que ce soit pire que la version de base, je sais pas compris. Deadlock, Explaything. Ouais, alors par contre je trouve que vraiment Snowbeat pour le coup c'est vraiment top tier. Niveau perk en vrai, débat avec l'artiste du coup qui est juste à côté. C'est qui a les meilleurs perks, je ne sais pas. Bah, on va dire sur licence c'est lui et tu as pas licence c'est elle, mais. Effectivement, si je devais conseiller à quelqu'un un tueur juste pour des perks, ça serait dans le jeu. Vraiment. Après, elle, c'est un peu plus spécial. À part Grim Embrace, je trouve qu'il y a une perk qui se travaille toute seule. Donc même pour un débutant, je conseillerais de fou Grim Embrace. Genre, Scourge Hook, Pain Résonance, c'est un peu particulier quand même pour un débutant. Et Experimental, c'est un peu particulier tout court, pas que pour les débutants. C'est qui Very Hard sur... Ça doit quoi. Je suis quelqu'un qui avait parlé de Dredge, c'est intéressant ce qu'elle disait. Je suis pas complètement d'accord avec elle, mais je trouvais ça intéressant comme analyse. Elle disait que, en fait, Dredge, c'est un tueur
qui demande beaucoup trop de temps d'entraînement. Ça, je suis pas d'accord. Pour finalement un tueur beaucoup trop weak. Et en mode, en fait, le tueur est long à maîtriser et à comprendre toutes les mécaniques et subtilités. Ça, je suis un peu plus d'accord. Pour en fait, finalement, se rendre compte en fait, le tueur est pas du tout bon. En fait, c'est trop d'investissement. En fait, en gros, c'était vraiment trop d'investissement pour rien finalement. Pour du pas bon. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Je trouve que Dredge. Alors, moi, Dredge, je suis pas d'accord dans le sens où je trouve qu'il est plutôt simple à maîtriser. Il y a des subtilités à comprendre, mais en vrai, ça va quoi. Mais alors, en vrai, je suis plutôt d'accord pour dire contre quoi. C'est vrai que Dredge, t'as quand même pas mal de petites mécaniques à maîtriser et pour finalement pas grand chose. Hein. Beaucoup de petites mécaniques, mais qui servent pas vraiment à rien. Quasiment. Ça fait deux tueurs de merde. Deux tueurs de merde décevants de suite. Parce que Dredge, avec du recul, j'avais un peu de hype. Hein. Chevalier, bonne surprise inattendue. Skull Merchant, pareil, bonne surprise inattendue. En plus, pour Skull Merchant, parce que Skull Merchant, genre, je déteste son design. Singularité aurait un peu déçu. En fait, je trouve qu'il est fort, mais son gameplay est tellement pas adapté pour moi. C'est comme la Nurse. En vrai, Singularité, franchement, je le dis, j'aurais pu être main Singularité. Malheureusement, son gameplay n'est pas du tout fait pour moi. Mais là, ça m'arrive de lancer une game avec lui et de voir un peu me marrer. Pour le coup, je préférerais plutôt m'asseoir dans un Xenomorph. Bon, Singularité, par contre, je suis d'accord pour dire que. Voilà, on parlait des perks. On revient sur les perks. Mais je suis d'accord pour dire que Singularité a littéralement les pires perks du jeu. Voilà. C'est dans quoi ça va en vrai? Parce que Food of Rage, en vrai, c'est ok. Moi, je suis pas avec, mais c'est ok. Call of Brine, c'est très bon. Même si les gens ils disent que non, je trouve ça très bon. Je trouve que c'est une très bonne perk. Et Merci Storm, en vrai, pour les débutants, c'est pas mal. Et sur certains builds, c'est plutôt rigolo. Bon, par contre, Dredge, c'est une catastrophe. Le seul truc qui me fait dire que c'est pas le pire, c'est que Darkness Revealed, c'est ok. Je suis sympa quand je dis ça. Et que Dissolution, il paraît que c'est pas mal. Moi, je trouve ça nul à chier. Mais... Bon, ces petites touches, on est tous d'accord pour dire que c'est dans le top 3 des pires perks du jeu. De tueur, en tout cas. Supérieur Anatomie. En vrai, à part Supérieur Anatomie, qui est en vrai juste ok bien, je trouve que le reste c'est poubelle. Surtout Terminus, quoi. Terminus, cette perk n'a aucune existence, aucune raison d'exister. Nowhere to Hide. En vrai, le Shade s'en sort bien. Nowhere to Hide, c'est très bien. Exfist Darkness. Alors, je sais qu'il y a des niches, mais jamais testé. Apparemment, ça peut aller. C'est un peu fun à jouer. Ubri, c'est pas mal par contre. Ubri, pour de vrai, c'est pas mal. En plus, ça match avec pas mal d'autres perks en vrai. Donc, pourquoi pas. Bon, par contre, c'est vrai qu'elle s'en sort pas très bien. Game of Foot. En fait, Game of Foot, pour moi, la perk, elle est pas bien conçue. Elle aurait pas dû fonctionner de cette manière-là. Elle aurait dû fonctionner de manière différente. Et toi, en vrai, c'est ok, toi, quand. Bon, le vrai, par contre, c'est pareil dans le top 3 des pires perks du jeu. En vrai, t'as une perk potentielle, une perk ok, et une des pires perks du jeu. Mais en vrai, pour moi, le champion serait Singularité. Singularité, je trouve qu'il a aucune perk bien. Genetic Limit, de la merde. Force d'hésitation, de la grosse merde. Machine Learning, de la merde. De la merde décevante, c'est ça. C'est moins de la merde que Genetic Limit. C'est tellement décevant, Machine Learning. En fait, pour moi, je vais dire un truc. Machine Learning, ça aurait été une perk. Attendez. Ça aurait été une perk qui se serait activée, genre, à chaque fois qu'un générateur est fini, même si t'es pas tapé dessus ou autre. Je vais dire un truc très honnête, je pense même pas que les gens rejouent avec. Vraiment. Mais ça aurait été mieux. Là, il faut que tu tapes sur un générateur, que ce générateur soit terminé. Donc tu laisses sur le finir de ces débiles, je trouve. Et ensuite... Ensuite, genre, tu profites d'un bonus de 10% la vitesse et d'un statut indétectable pendant 30 secondes. C'est minable. C'est minable. Vraiment, c'est pathétique. Personne joue avec. C'est con parce qu'elle a trop de potentiel.
Xenomorph sort très très bien. Ou Ultimate Weapon. Bon, c'est une... je trouve que c'est vraiment une délire pour le jeu. Rapid Brutality. Même si en vrai, je fais souvent la blague, on voit jamais personne jouer avec, tout le monde s'en plaint. En vrai, c'est véridique, on voit jamais personne jouer avec, mais en vrai, c'est vrai que c'est une perte très très bonne. Rapid Brutality, en vrai, dans certaines niches, ça va. Genre avec le clown, je sais que c'est pas mal. Je sais qu'avec la marchande de crâne, c'est pas mal. Je sais qu'avec certains combos de perks, c'est pas mal. Aline Instinct, même Aline Instinct, en vrai, j'entends beaucoup de personnes en parler, mais en vrai, Aline Instinct, c'est pas mal. Hein. C'est où Aline Instinct, c'est bien. En vrai, Aline Instinct, vraiment, je trouve que c'est pas mal du tout. Je suis étonné qu'il y a si peu de gens qui jouent avec d'ailleurs. Two can play. Chucky s'en sort bien aussi. En vrai, batterie inculée, je trouve ça vraiment ok, sympathique. En fait, je trouve ça drôle à jouer. En fait, ok, mais c'est drôle à jouer. Friends Till the End, en vrai, c'est je trouve bon, vraiment pas mal qui m'a dit bien avec d'autres pertes. Ex Two can play, en vrai, par contre, je trouve ça pas mal. Ok, bien, moi je. Bon alors lui par contre en vrai voilà lui il y a des pertes pas bien mais en vrai par rapport à d'autres ça a fait relativiser genre ça c'est pas bien tier en fait c'est en dessous du ok tier life is what we make it. Mais en vrai, ouais, en vrai. En fait, c'est qu'il y a tellement des pertes qui font mieux. Par contre, c'est rigolo. Je critique pas, ça, ok. Ça, c'est ok, tiens, c'est rigolo. Mais ça, genre, ça, par exemple, je trouve ça bien pour les débutants, mais c'est tout. C'est ça qu'on a vu les jumeaux. En vrai, les jumeaux, je trouve qu'ils s'en sortent bien. Coup de grâce, c'est. Coup de grâce, alors moi je joue pas avec, mais je sais que c'est pas mal joué. Sous les tueurs aimants. Style Sadako. Et même, je sais qu'il y a des dreads que je joue avec. Moi je jouerai pas avec, mais je sais qu'il y a des dreads que je joue avec. Oppression, en vrai, c'est. C'est. Ouf, moi je serais très fort, mais il y en a que je sais qu'il y a plein de gens même pas. Moi je serais vraiment très fort, Oppression. Order, alors Order, en temps normal, j'aurais dit que c'est de la merde, mais en fait, il y a tellement de tueurs qui utilisent des mécaniques de coffre ou d'objets, style Singularité, Nemesis, Wesker, Pinel, le plus connu, que, en vrai, Order, il y a une niche. Donc, Order, il ne faut pas oublier qu'il y a un des effets secondaires de Order, c'est que ça réduit les chances de trouver un bon objet dans les coffres. C'est con, mais en vrai, c'est un petit bonus en plus qui fait plaisir. Qui aurait pu ne pas être là. Son prépuce. Ah, je dis prépuce, il m'a regardé. Pour l'événement point de sang, quand même. Une Sadak, une Bibi Sadak. C'est bien parce que la caméra a recul sur le Discord, d'accord, bref. Ça m'arrive encore de jouer avec ce skin là, des fois. Je touche tout, tu me vois. Je vais vous laisser, je vais aller rendre les travailler. J'envoie des messages à des gens. Et il faut que j'aille à une réunion. Bref, moi je vais vous laisser. Je vous dis, bah du coup, attendez, je mets l'écran quand même pour vous dire au revoir. Je vous dis à la bise, à la prochaine, tout ça. En vrai, vous attendez pas à ce qu'il y ait beaucoup de live, de live cam. Parce que, comme je vous ai dit, ouais, ça dépend de comment je suis coiffé, ça dépend de comment je suis rasé ou pas. En fait, c'est que j'ai quand même envie de mettre un peu la cam de temps en temps parce que, genre, c'est bien de voir un peu l'évolution, quoi.
Voilà, la bise, je vous aime.